Mesdames et messieurs, chers téléspectateurs d'Alafia TV, amoureux du livre et des lettres, bienvenue sur votre émission Au chevet des lettres. Au chevet des lettres qui vous accueille cet après-midi sur les belles dunes de Gundam. Et nous avons comme auteur invité M. Modibo Ibrahima Kanfou. Avec lui, nous allons parler de son engagement et surtout, nous allons parler de son recueil de poèmes « Devoir de changement » qui a été édité chez Inov Éditions. M. Kanfou, bonjour et bienvenue sur notre plateau. Bonjour. Alors, nous allons vous présenter notre auteur du jour. Ibrahima Kanfou est originaire de Tindirman, un village situé dans la région de Tombouctou, précisément dans le cercle de Diré. Kanfou est un écrivain malien né le 28 août 1996 après une maîtrise obtenue en lettres modernes en 2017 à l'Université des lettres des sciences humaines de Bamako. Il bénéficie d'une bourse pour les études en master en littérature française dans la même université. Il est cofondateur et actuel président du mouvement de jeunes écrivains dénommé GELMA, les jeunes esprits de la littérature malienne. Alors, M. Kanfou a un parcours très riche qui, à travers son jeune âge, a beaucoup fait dans le domaine de la littérature. Kanfou, est-ce qu'il y a un pan de ton parcours qu'on n'a pas cité ici que tu veux partager avec nos téléspectateurs? Bon, vous avez déjà dit l'essentiel. Ce que je peux ajouter, c'est que je suis également jeune enseignant, professeur de lettres au lycée. Voilà, c'est tout. Très bien. Donc, avant de rentrer dans les livres, oui, nous allons parler de votre engagement, de différents mouvements dans lesquels vous militez, notamment le GELMA. Est-ce que vous pouvez nous dire ce que c'est? Le GELMA peut se définir comme le mouvement Les Jeunes Esprits de la Littérature Malienne, en abrégé GELMA. C'est un mouvement, comme je viens de vous le dire tout à l'heure, un mouvement qui regroupe les jeunes écrivains du Mali. L'objectif est de rayonner la littérature et l'écriture partout au Mali. Donc le mouvement a été créé précisément en mai 2016 à l'UIG à Bamako. Alors les objectifs du mouvement, c'est la promotion évidemment de l'écriture, la promotion de la lecture, et voici un peu les points de base de notre mouvement. Nous sommes ouverts à tous ceux qui sont passionnés de l'écriture, de la littérature, notamment que ce soit les littéraires, les sociologues, les philosophes, etc. Nous sommes ouverts à tout le monde. Et de la création du mouvement à nos jours, nous avons déjà publié plus de 25 œuvres. Voilà, donc c'est voici énorme. Un peu le mouvement. 25 œuvres, vous pouvez me dire, c'est quel genre d'œuvres, qui sont les auteurs, comment ça se passe? Bon, ces œuvres, parmi ces œuvres, nous avons des recueils de poèmes. Et nous avons également des romans. Nous avons des essais. Voici un peu les œuvres qui sont déjà publiées. Parce qu'en fait, les membres n'évoluent pas dans les mêmes genres. On a dit écrivain, mais on n'a pas dit poète forcément. On n'a pas dit romancier forcément. Donc du coup, moi personnellement, je suis poète. J'ai édité, publié, n'est-ce pas, deux recueils de poèmes. Mais il y a d'autres qui ont publié d'autres genres. Voilà, donc c'est comme ça que ça se passe. Et nos activités, ce sont généralement les conférences, les ateliers d'écriture. Et nous faisons des exposés, mais ces exposés ne se font pas comme dans les clubs de lecture. Parce que là-bas, tu prends un livre, tu viens, tu l'exposes devant un public. Mais quand nous faisons des exposés, nous faisons un exposé sur le genre. Par exemple, le samedi passé, moi j'étais en train de faire une présentation sur le conte de ses origines à nos jours. Et au cours de cette présentation, je dois terminer ma présentation en montrant aux uns et aux autres comment écrire un conte. Et automatiquement,
l'activité suivante, les uns et les autres savent que nous devons animer un atelier d'écriture sur le compte. Voici un peu les activités que nous menons au sein du mouvement Les Jeunes Esprits de la Littérature Malienne, JELMA. Très bien. On sent que c'est un mouvement qui fait beaucoup. Et votre démarche aussi est originale. Je rappelle à nos téléspectateurs que nous sommes sur le dune de d'Alkara à Gundam et nous sommes bien sûr assistés par quelques passionnés de la littérature. Alors, M. Kanfo, oui. Vous êtes à Gundam. Pouvez-vous nous dire pour quelle occasion vous êtes là? Bon, nous avons été invités par l'organisation, appelle-moi, par l'organisation Tombouctou Culture à l'occasion des activités littéraires pour la promotion de la littérature également au Nord. Et nous avons été invités, nous sommes venus avec plein de joie pour partager ce moment de plaisir avec vous et partager avec vous les contenus de nos différents ouvrages. C'est à cette occasion que nous sommes à Gundam. Ça fait quand même vraiment plaisir. Moi, j'avais beaucoup de curiosité à découvrir le Nord, à découvrir particulièrement Gundam, dont j'ai entendu parler plusieurs fois. J'ai même côtoyé certains écrivains de Gundam avant de découvrir la ville en question. Voilà. Alors, ce n'est pas Gundam seul, vous avez été aussi à Tombouctou. Tout à fait. Dans les mêmes cadres, est-ce que vous pouvez nous dire, parmi les activités, est-ce qu'il y a particulièrement une activité qui vous a marqué, que ce soit à Gundam ou à Tombouctou? L'activité qui m'a le plus marqué, c'est surtout les activités sur les dunes de sable. J'ai parlé des dunes de sable dans mon premier livre alors que je n'avais pas encore vu les dunes. Alors, parler de quelque chose qu'on n'a pas encore vu, ça montre quand même qu'on a de la passion envers la chose. Et c'est principalement ce qui m'a beaucoup motivé. Et au-delà de cela, ce qui m'a beaucoup motivé à Tombouctou, c'est que depuis l'époque, mon papa voulait que je fasse le lycée Mohamed Alassane Aïdra. Donc j'ai été là-bas hier pour animer une activité. C'était plein de joie et j'ai eu la chance, puisque c'est une chance, de prier dans la mosquée Djingaribert le vendredi. Voilà, merci. Merci bien. Alors, je crois que cette fois-ci, nous allons rentrer dans le vif du sujet, qui est devoir de changement. Devoir de changement, c'est un recueil de poèmes qui a été édité chez Innov Edition. Est-ce que vous pouvez nous faire une petite présentation de ce livre? Devoir de changement, déjà, devoir et changement. Le livre a été publié en 2021, au moment où... le livre a été écrit avant ça. Au moment où, à Bamako, il y avait quand même la tension et chacun voulait que Ibeka parte. Donc, c'est en ce moment que Devoir de changement a été écrit pour parler de changement sur le plan politique, parler de changement sur le plan économique, parler de changement comportemental et parler également du changement sur la littérature. Parce que vous n'êtes pas sans savoir que ce recueil est un recueil qui ouvre la voie à beaucoup de nouvelles formes d'écriture et de nouveaux styles. J'ai inventé deux nouvelles formes de poèmes qu'on appelle la camphonienne et le camphonien. D'abord, chaque forme de poème est constituée de 100 vers, mais c'est seulement la disposition qui se diffère. Et quand vous allez prendre par exemple la camphonienne, vous allez voir que c'est un poème de 8 vers, 8 vers, 8 vers. Donc c'est un poème constitué de 8 tins et la marche se boucle par un quatrain. Ça va constituer 100 vers. Et quand vous allez prendre le camphonien, c'est l'inverse. C'est-à-dire, au lieu de 8 vers, 12 fois, cette fois-ci, c'est 12 vers, 12 vers, 12 vers, 8 fois, plus 4 vers, ça va faire 100 vers. Donc, voici un peu la camphonienne et le camphonien. J'ai profité de l'occasion pour inventer certains néologismes, certains nouveaux mots que vous allez voir quand vous allez lire le livre. Des mots comme le mot amadisme, des mots comme le mot wangrenisme. Pour quelqu'un qui lit un peu Amadou Ampateba, on sait ce que ça peut vouloir dire. Et également d'autres mots comme la gelmanisation, vous connaissez gelman maintenant, gelmanisation, Covid d'État, anti-humanitaire, etc. Et une dizaine de mots que vous allez trouver dans le livre. Mais le livre a été également un moyen pour moi d'évoquer beaucoup de thèmes. D'abord, le livre commence par un texte qui concerne le patriotisme. Et là, le titre du poème, c'est
mon premier souci. Mon premier souci n'était pas de découvrir Gundam. Mon premier souci n'était pas d'avoir le bac avec mention. Mon premier souci n'était pas d'entamer les études doctorales. Mon premier souci dans ce poème-là, c'est de sauver mon pays, c'est de sauver le Mali. Donc le poème commence déjà par le patriotisme. Parce que moi, je me pose d'abord la question. Au temps de Modibo, où on disait que le Mali était une puissance africaine, en ce moment, les Modibo et ceux qui constituaient le gouvernement n'étaient pas ceux qui avaient des doctorats, n'étaient pas ceux qui avaient des masters, des maîtrises. Mais nous avions tout ça. Mais pourquoi le pays n'avance pas? Prenez l'exemple sur un Amadou Ampateba, le grand Amadou Ampateba qui a influencé l'Afrique et partout. Et il n'a pas dépassé la sixième année. Modibo Keïta, le président, il n'a pas un doctorat. Mais nous avons combien de ministres docteurs? Hein? Donc, mais au-delà de tout cela, le pays n'avance pas. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que ce ne sont pas les diplômes qui font avancer un pays. Il faut d'abord aimer ce pays pour pouvoir le faire avancer. Donc voici un premier thème. Le livre s'ouvre là et le livre termine à travers les prières. Parce que de toute façon, dans nos cultures, il faut toujours prier. Toujours prier. D'ailleurs, le matin, que ce soit au nord ou au sud du Mali, quand on se lève, on va d'abord saluer les parents et les parents prient pour nous. Et je vous donne l'exemple tout de suite, un élève qui est sur le point d'aller à l'école pour aller faire son examen, le matin s'il se lève, si papa et maman prient pour lui ou pour elle, il pense qu'il va réussir. Parce que les prières symbolisent beaucoup de choses chez nous. Donc au-delà de ces thèmes, il y a quand même beaucoup d'autres thèmes, des thèmes comme la guerre, des thèmes comme la mort, que les gens n'aiment pas. Justement, nous allons rentrer dans les détails. D'accord. Vous avez déjà toucher okay. La première question que j'allais vous poser. Okay. Comme le recueil s'ouvre exactement par les poèmes « Mon premier souci », j'allais te demander qu'est-ce qui est ton premier souci. Là, tu l'as dit. Maintenant, le premier souci, c'est de sauver le pays. Qu'est-ce qu'il faut faire pour sauver le pays? Pour sauver le pays, il faut éduquer les enfants. Pour sauver le pays, il faut éviter de corrompre. Pour sauver le pays, il faut s'éloigner des injustices. Pour sauver le pays, il faut aimer le pays. Je reviens dessus. Il faut éduquer les enfants. Parce que, en fait, nous avons la vilaine attitude devant nos enfants, devant nos jeunes frères, nos jeunes sœurs. On s'assoit, on se met à critiquer le Mali. On dit que le Mali, là, ne va absolument devenir rien du tout. Le Mali ne pourra pas se développer. Le Mali est ceci, le Mali est cela. L'enfant qui est là, il s'assoit, il écoute, il entend. Ah oui, déjà, lui, il est enfant, il ne sait pas ce que c'est, mais il pense quand même que tout ce que les parents disent est vrai. Donc déjà, il entend de la bouche d'un parent que le Mali ne sera absolument rien. Comment vous voulez que cet enfant-là s'engage pour le pays? Il ne s'engagera pas pour le pays. Non? Et pour éviter qu'un enfant ne soit pas corrompu, toi, le parent-là, évite d'être corrompu à ses yeux. Et regardez, il y a certains parents, entre parenthèses, il y a certains parents qui viennent, ils disent, papa, je veux un vélo. Tu peux lui dire, bon, j'ai pas d'argent, quand j'aurai de l'argent, on va t'acheter un vélo. Mais qu'est-ce que le papa dit? Bon, demain, je vais t'en acheter. Le lendemain, l'enfant demande, papa, où est mon vélo? Non, demain, je vais t'en acheter. Papa, où est mon vélo? Demain, je vais t'en acheter. En fin de compte, l'enfant ne te demandera plus parce qu'il sait que tu es en train de mentir. Et maintenant, lui aussi, il va apprendre à mentir. Quand il va sortir, il va aller voir ses amis. Quand on va lui dire, bon, tu ne peux pas m'amener un peu de biscuit là? Oui, demain, je vais t'apporter. Il va essayer d'appliquer ça à ses amis. Et quand cet enfant grandit, qu'est-ce qu'il va devenir? Un cadre menteur? Ah. Voilà. Alors, on voit aussi que tu parles beaucoup de la mort et il y a un poème sur nos deux qui sont dédiés à un ami décédé. Okay. Tu peux nous parler de cet ami? Le poème intitulé « Quand la terre me mangera » est un poème dédié à mon ami Tcherno Adisidibé, un ami que j'ai connu depuis longtemps au club de lecteurs de l'Institut français. Et au club de lecteurs de l'Institut français à l'époque, le club était encore petit, je pense que c'était précisément en 2015. Nous étions seulement les deux poètes, les deux jeunes poètes. Tous les autres ne déclamaient pas, ce sont nous qui venons, nous déclamions nos textes. Et nous deux poètes, lui, il était celui qui avait le courage de déclamer ses textes. Mais il ne produisait pas beaucoup. Moi, j'arrivais à écrire de très bons textes, mais je n'arrivais pas à déclamer. Parce que j'avais peur. Quand je parle devant le public, je vais mourir, c'est ce que je me disais. J'étais tellement timide. Il m'a dit, mais qu'en faut? Il faut parler devant le public. Le jour où tu parleras devant le public, tu vas les impressionner. J'ai dit, non, quand je vais parler là, je vais mourir.
Il m'a dit, bon, d'ici le samedi prochain, puisque nos activités c'est le samedi, d'ici le samedi prochain, tu vas écrire un poème et tu viendras déclamer devant le public. J'ai dit quoi? Il dit, si tu ne fais pas ça là, c'est fini entre nous. J'ai dit, sérieux? Il dit, je te parle très sérieusement. Je suis allé, j'ai écrit le poème intitulé L'écoute qui se trouve dans mon premier livre. Je suis venu avec le texte le samedi et je l'ai négocié à côté. Bon, mon cher, écoute, tu vas déclamer le texte. Moi, je l'ai déjà écrit. Il dit, non, aujourd'hui là, je ne t'écoute pas. Tu vas déclamer ça. Même si tu vas mourir là, tu vas mourir sur la scène, tu vas déclamer ça. Ah, j'ai dit, aujourd'hui là, ça va chauffer. Et ce jour, quand on a fini, il dit qu'il y a un jeune ici, il veut déclamer. Et je me suis levé, j'ai commencé à déclamer. J'avais ma feuille comme ça là. J'étais en train de déclamer. Et quand j'ai fini de déclamer, c'est ce jour où j'ai été le plus applaudi. Et je me suis dit, ah bon, j'arrive à faire des choses extraordinaires comme ça. Pourquoi ne pas continuer? Et je me suis dit que je vais continuer. Je disais, ah attention, moi je suis un peu devant toi maintenant parce que j'écris plus que toi. Et j'ai commencé à parler. Et mais une année, 2 ans plus tard, brusquement, j'apprends son décès. Alors qu'on s'était dit qu'on allait écrire des livres et on allait sillonner tout le pays ensemble. Qu'on allait partir à l'extérieur, on allait aller voir les élèves, les étudiants pour présenter nos textes. Bon, puisque mon premier livre était déjà allé à l'édition, donc c'était plus possible d'écrire un poème pour lui. Donc c'est dans le deuxième livre que je l'ai écrit, ce poème intitulé « Quand la terre me mangera ». Donc lui, je ne pouvais que lui rendre hommage pour le service qu'il m'a rendu. Voilà. Et c'est un bel hommage. Oui, merci beaucoup. Mesdames et messieurs, chers téléspectateurs de la FIE TV, vous êtes toujours sur votre émission Au chevet des lettres. Et nous sommes cet après-midi à Gundam avec un charmant public amoureux des livres et des lettres. Pour continuer l'émission, nous avons notre rubrique M. Albakay Bollo Cissé pour nous présenter l'actualité littéraire de la semaine. Albakay. Alors, fidèles téléspectateurs de la télé à la FIA, je suis très heureux de vous retrouver sur votre chronique littéraire, une chronique qui vous fait l'actualité littéraire et qui analysera avec vous certains aspects de la littérature au fur et à mesure de nos différentes émissions. Alors aujourd'hui, nous allons parler d'un courant littéraire, un courant qui a vu le jour récemment. C'est quoi d'abord un courant littéraire? Un courant est un groupement, est un d'écrivains qui écrivent et qui défendent une idée commune selon les différents genres d'écriture. Alors aujourd'hui, nous allons parler de la poésie mininiste. Mininiste, dans lequel nous retrouvons le mot minini, qui veut dire en soirée, jouissance. Donc, la poésie mininiste est une poésie qui fait face à l'absurdité de l'existence, qui nous incite à profiter de l'instant présent. L'instant présent, un mot, mais un groupe de mots qui nous rappelle, bien sûr, la poésie de la Pléiade, avec la philosophie du Carpe Diem, qui nous dit de profiter de l'instant présent. Donc la poésie mininiste, selon les précurseurs, dans les manifestes publiés dans le journal du 22 septembre, nous dit « Notre poésie est donc une ode à la jouissance, au plaisir de vivre, à la contemplation oisive du promeneur solitaire. » Donc la poésie, depuis le 11e siècle, existe dans la boucle du Niger à travers les Qasidas d'Abou Ishaq, et qui continue avec les étudiants de l'Université de Sankore. Donc c'est une poésie qui a toujours traité des questions théologiques, une poésie jugée caduque par les poètes mininistes qui pensent qu'il faut développer un concept, un idéal de beauté qui correspond à un temps de civilisation. Donc notre temps est révolu, notre temps n'est plus le temps ancien, il faut parler, il faut profiter de l'instant présent. Ces poètes se sont surtout inspirés des quatrains du poète perse Omar Khayyam, mais aussi de la cantatrice tomboxienne Aïssa Al-Demirigé, qui nous dit dans un de ses chants Nil minini minini nilgo halal, qui veut dire en français jouir, jouir est licite. Donc les auteurs de ce mouvement, de ce courant littéraire sont bien sûr Amadou Touré Dichap, Sanchifi Alfassane et Ismaël Djadjé Haïdara.
Alors, on revient sur les plateaux pour parler toujours des devoirs de changement de Modibo Ibrahima Kamfou. Au-delà de la camphonienne, du camphonien, qui il faut peut-être expliquer aux profanes qui ne comprennent pas, et aussi au-delà des néologismes que tu as mis dans ce livre-là, j'ai constaté que le titre du poème suivant est toujours annoncé dans le poème précédent. Et comment on appelle ça? Et c'est quel style? Ça aussi, c'est une invention. Et après, je vais même faire une démonstration, puisque mon corps est là, je vais faire une démonstration scientifique. Et vous allez voir qu'il y a des codes qui se trouvent derrière. Voilà. Allez-y. On a besoin d'avoir une explication. Donc, rapidement, quelqu'un pour prendre cet exemplaire. Quelqu'un va noter avec nous. Vous allez prendre le premier poème. Et vous allez, à la fin du premier poème, vous allez voir les titres qui se trouvent à la fin du premier poème. Voyons ensemble. Le premier poème se termine à la page 15. Et ce titre apparaît directement après le refrain, parce que vous n'êtes pas sans savoir que les strophes sont constituées de couplets et de refrains. Ouais. N'est-ce pas? Donc, ça commence d'abord par le refrain. Et ça se termine par le couplet. Ouais. Donc le refrain fait toujours 4 vers. Et après le 4e vers ici, le premier vers qui vient après le refrain, c'est quand la terre me mangera, le titre. Ouais. Donc puisque le titre est le premier vers après le refrain, j'ai écrit le chiffre 1. Donc écrivez le chiffre 1. Le chiffre 1 est écrit en haut. Maintenant, on tourne les pages, on va à la fin du deuxième poème. Ça, c'est 27. Non, avant ça. Page 19. Ouais, 19, page 19, ouais. Page 19, vous avez « Il faut sourire ». Donc, c'est le titre du poème suivant. Ce « Il faut sourire-là » apparaît au niveau du deuxième vers après le refrain. C'est pourquoi il y a le chiffre « D ». Écrit « 2 ». Maintenant, on va au poème suivant. C'est à la page 20. À la page 23. Et à la page 23, il y a dis-toi. Il y a dis-toi. Et dis-toi apparaît au niveau du quatrième vers, après le refrain. C'est pourquoi il y a le chiffre 4. Après le poème dis-toi, pardon, le titre dis-toi, on a tu seras fort. Tu seras fort apparaît comme le premier vers, ouais, après le refrain. Oui, à la page 27. C'est le premier vers après le refrain, c'est pourquoi il y a le chiffre 1 en haut. Maintenant, on continue. Le titre suivant se trouve à la page 32. Et à la page 32, vous avez les éternels dominés, qui sort comme deuxième vers après le refrain. C'est pourquoi il y a le chiffre 2. Et le titre suivant se trouve à la page 36, « Quand je me sentirai capable de mener une lutte ». Le bic refuse. Donc, tu étais à quel niveau? Chiffre 2. Chiffre 2. C'était le dernier poème, non? Oui, ah ouais, après le chiffre 2. L'éternel dominé. Maintenant, oui. Ah ouais, ouais. Maintenant, après ça, nous avons « Quand je me sentirai capable de mener une lutte » qui apparaît comme troisième vers après le refrain. C'est pourquoi il y a le chiffre 3 en haut. Maintenant, pour le poème suivant, c'est à la page 40. Demain. Et à la page 40, il y a « Demain ». Demain qui est le titre du poème suivant. Et ce « Demain » apparaît comme le huitième vers après le refrain. Donc, il y a le chiffre 8 qui est écrit. Maintenant, et le poème suivant, Omar? La guerre. La guerre, mais est-ce qu'il y a un chiffre écrit? Non. Les chiffres finissent là. Jusqu'à la fin du texte, les titres apparaissent, ouais. Mais les chiffres sont disparus. Maintenant, Koro, quel chiffre tu as? Et le total des chiffres, oui. Oui, tu les lis. Qu'est-ce que ça donne? Voilà. Ah, je les lis. Oui, oui. On a le chiffre 1. Oui.
le chiffre 2, oui. Le chiffre 4, oui. Le chiffre 1, mm-hmm. Le chiffre 2, mm-hmm. Le chiffre 3, uh-huh. Et le chiffre 8. Le tout, le tout ça donne combien? Le tout. Non, pas non, en ajoutant. Tu, tu lis comme le ça. Le tout. Hein? Tu lis comme seulement. Si c'était 58 ou encore 47. Lire tout comme ça. Oui. 1 oui. 241 338. Et reprends. 1 oui. 241 238. Voilà. Maintenant, cela vous rappelle quoi? La superficie du Mali. Le Mali est indivisible. Même si je ne le dis pas, ça apparaît autrement. Donc voilà qu'on ne peut pas tout dire à travers un livre. Mais on peut faire des codifications et dans mes poèmes, il y a tout le temps des codifications. Donc au-delà même de cette petite démonstration, au-delà de l'apparence qui constitue mon premier recueil, il y a beaucoup d'exemples comme ça. J'ai un ami qui a l'habitude de dire « faites attention, évitez de voler les textes de ce jeune-là. Il est capable de faire beaucoup de choses. Il est capable de dire quelque chose et son contraire dans le même texte. Ce que vous lisez, c'est l'apparence et ce qui se trouve au-delà, ça, c'est autre chose, ça, c'est la réalité. C'est d'ailleurs pourquoi le premier livre s'intitule « Au-delà de l'apparence ». Parce qu'il y a évidemment beaucoup de codifications, et des codifications qui sont d'ailleurs en rapport soit avec ma vie, soit en rapport avec les sujets qui me tiennent à cœur. Alors, vous allez par exemple voir que le poème le plus long de ce recueil-là est 66 vers, alors que le poème le plus court est 3 vers. Quand on divise 66 par 3, c'est-à-dire le poème le plus long, par le nombre de vers du poème le plus court, on va avoir 22. Et le livre est sorti quand moi j'avais 22 ans. Je voulais faire représenter cela. Quand vous allez toujours lire le livre, vous allez voir qu'il y a d'autres codifications. Par exemple, quand vous allez compter le nombre de vers qui constituent le livre, vous allez voir que le nombre de vers tombe exactement sur le chiffre, n'est-ce pas, de l'égir du prophète Mahomet. Et vous allez voir qu'il y a également d'autres chiffres au-delà de tout cela. Et la disposition même des poèmes, les poèmes sont au nombre de 32. Vous allez voir qu'au début, on commence par 3 vers, 5 vers, 6 vers, 8, 12, jusqu'à 66. Et à 66, on décroît avec les mêmes chiffres. Et quand on essaye de représenter ça sur un repère orthonormé, on va trouver une sorte de colline. C'est d'ailleurs pourquoi la colline était dessinée sur la couverture du livre. Mais en fait, je voulais faire une représentation scientifique en fait. Et le seul mot qui se trouve à l'intérieur des vers du texte qui est écrit en lettres capitales au-delà des titres, c'est le mot succès. Et c'est ce mot succès qui se trouve en tête. Ce mot-là signifie tout simplement la représentation de la colline-là. C'est la colline du succès. On monte, on arrive à un niveau où on ne va plus monter, on descend, on descend, on descend. Ça, c'est une leçon de la vie. Alors là, on quitte carrément la poésie profane, on rentre dans un sujet ésotérique. Et il faut être quelqu'un d'initié pour pouvoir comprendre tous ces codes. Comment faire pour s'initier à ces codes-là? Je ne sais pas trop comment faire pour s'initier à ce code, mais parce que moi, je l'admire parce que j'avais une grande passion pour les maths. C'est vrai que j'ai fait la terminale lettres, mais j'avais de très bonnes notes en maths. Je pense qu'au bac, si j'ai bonne mémoire, j'avais 16 ou 17. Et mon professeur n'était pas tellement content parce qu'il dit que je n'ai pas travaillé. Et je reconnais que je n'ai pas travaillé. C'était une matière qui me tenait beaucoup à cœur et je m'y intéresse jusqu'à présent. L'année dernière, j'allais faire un bac scientifique. J'allais essayer le bac en TSE pour au moins avoir seulement un baccalauréat en sciences. Mais puisque je n'étais pas prêt, j'ai dit que je ne vais pas m'y lancer parce que je veux m'y lancer. Voilà. Alors, quand la poésie, sinon les mathématiques se mêlent à la poésie, ça donne quoi? Poématique. Et j'ai fait cette invention avec mon frère qui est scientifique, qui est également très passionné de la poésie. Et moi, je suis très passionné de mathématiques. On s'est dit, est-ce qu'il y a un moyen pour les maths et la poésie de se dialoguer? Et on a essayé d'inventer un mot, poème et mathématiques. Et on a pris poé dans poésie et matique dans mathématiques. Et c'est ce qu'on appelle en littérature un mot valise. Quand vous entendez courriel, Ça vient du mot courrier et le mot électronique. Yeah. Quand vous entendez clavarder, ça vient du mot clavier et bavarder. On coupe une partie de l'un et une partie de l'autre, on les colle. Même en littérature, on parle souvent de proème, de poé, de prose. Pro qui vient de prose et de m là qui vient de poésie. Donc quand on associe les deux, ça donne un nouveau mot. On les appelle les mots valises. Alors, je crois que bientôt, on va avoir un dictionnaire à la canfonienne. Mesdames et messieurs, notre émission arrive presque à sa fin. Nous sommes sur les dunes d'El Kara à Gundam.
Nous sommes accompagnés d'un charmant public qui est amoureux du livre et de la lecture. Nous aurons l'occasion de donner la parole à notre public, mais en attendant, nous allons demander à notre auteur quel est son projet d'écriture actuellement. Actuellement, je suis sur beaucoup de projets d'écriture. Je suis sur un recueil de nouvelles. Je ne suis pas pressé. Je suis également sur un roman. Je ne suis pas pressé, mais un roman qui va surtout peut-être parler de crimes et de terrorisme en plein Bamako. Et je vais aussi écrire ce que j'appelle les poèmes caméléons. Et ces poèmes caméléons sont encore très intéressants parce que ce sont des poèmes qui, lorsqu'on finit de les écrire, il suffit de changer un seul mot et tous les poèmes changent carrément. Il suffit de changer un mot pour que tout le thème change carrément et s'adapte à un autre thème. Ah. Je suis en train d'écrire un recueil entier de ce que j'appelle les poèmes caméléons ou encore les poèmes éléons. Là aussi, c'est un mot valise. À travers ce texte, tu peux toujours l'adapter à un autre thème en changeant seulement un mot ou un groupe de mots. Alors, c'est cela d'ailleurs mon projet le plus proche, le plus imminent. Donc, quand je vais finir ça, je vais carrément m'orienter vers la prose. Ça ne veut pas dire que la poésie sera abandonnée, mais histoire pour moi aussi d'avoir quelques œuvres en prose. Modibo, oui. Quel est le mot de la fin? Je remercie beaucoup le regroupement Tombouctou Culture. Merci beaucoup à tous les membres, aux organisateurs, à tout Gundam de Tombouctou associé à la fois, à tous nos partenaires qui nous ont aidés à organiser ces activités, qui ne cessent de se battre pour la cause de la littérature au Mali. Je pense que si on arrive à organiser des activités de ce genre un peu partout au Mali, la littérature malienne va s'en sortir et la littérature malienne va retrouver sa valeur d'antan. Merci beaucoup, merci pour tout. Mesdames et messieurs, chers téléspectateurs de la FIA TV, amoureux du livre, nous allons nous quitter sur cette note d'espoir. Et nous allons nous donner rendez-vous la semaine prochaine sur votre même chaîne à la même heure. Au revoir. Mali de yema ukuna kuya tena. Wenda akuma ukuna.